incarnation de l'espièglerie, de l'imagination et de l'inconstance, Zoé est une messagère cosmique de Targon, annonciatrice des grands événements qui chamboulent les mondes. Sa simple présence distord les règles mathématiques qui gouvernent dans l'ombre les réalités, et, sans pour autant le vouloir, peut même provoquer des cataclysmes. Cela explique peut-être la nonchalance désinvolte avec laquelle Zoé traite ses tâches, préférant consacrer le plus clair de son temps à s'amuser, à jouer des tours aux mortels, bref, à faire tout ce qui lui plaît. Une rencontre avec Zoé peut se révéler joyeuse et porteuse d'optimisme, mais ce n'est souvent qu'une apparence, cachant une vérité extrêmement dangereuse. Conformément à la nature de la manifestation targonienne qu'elle incarne, Zoé n'a pas obtenu ses pouvoirs en suivant les méthodes traditionnelles. Elle n'a pas remporté une grande victoire défiant toutes les probabilités. Elle ne s'est pas sacrifiée pour un noble idéal. Elle n'a pas même relevé l'épreuve existentielle qui consiste à gravir le mont Targon. Zoé était une jeune fille normale, choisie, semble-t-il, au hasard. Les professeurs Lunari de Zoé disaient d'elle qu'elle était certes pleine d'imagination, mais tout autant capricieuse, paresseuse, aisément distraite et espiègle. Un jour, alors qu'elle avait décidé de sécher ses cours de magie sacrée pour quelque chose de moins ennuyeux, elle fut remarquée par la manifestation targonienne du crépuscule. Cette dernière observa la jeune fille se rire des véhéments appels des prêtres Lunari qui la poursuivaient. Au bout d'une heure de course-poursuite, ses professeurs parvinrent enfin à la coincer. Avant qu'ils ne puissent l'attraper, la manifestation fit apparaître 6 objets devant la fillette. Un sac de pièces d'or, une épée, un livre d'études dûment rempli, un tapis de prière, une corde de soie et un ballon. 5 de ces objets auraient pu l'aider à fuir ou à désamorcer la situation. Zoé opta pour le 6e choix. Peu soucieuse de s'enfuir, elle attrapa le ballon, le frappa en direction du mur d'une maison proche et se mit à chantonner gaiement pendant qu'il rebondissait entre les prêtres qui n'y voyaient rien d'amusant. Enthousiasmée par l'exubérance insouciante de Zoé, la manifestation ouvrit un portail scintillant vers le sommet du mont Targon, lui offrant une chance de contempler l'univers. Elle plongea de dos dans le portail, fusionnant instantanément avec la manifestation, puis tira la langue à ses professeurs abasourdis tout en disparaissant. Profitant de cette transcendance inhabituelle, Zoé voyagea jusqu'à des dimensions situées aux confins du contrôle de Targon, jouant avec des réalités dépassant les capacités de compréhension humaine. Des millénaires s'étaient écoulés quand elle revint à la maison, mais elle avait à peine vieilli d'une année. Bien que Runeterra eût peu changé à ses yeux, elle débarqua pleine de curiosité juvénile pour les humains et pour les autres manifestations. La plus étrange de ces nouvelles relations fut sans doute Aurélion Sol. L'arrogance du dragon cosmique, ses mensonges et sa lassitude du monde finirent par ennuyer Zoé. Elle ne manquait jamais une occasion de se moquer de l'immense créature, mais elle n'hésitait pas, le cas échéant, à protéger son toutou cosmique et ses étoiles contre la colère de Panthéon. S'agissait-il d'un caprice, d'un tempérament possessif ou d'une vocation de semeuse de chaos? Nul ne le savait vraiment, car on ne peut jamais savoir ce que veut Zoé au juste, hormis s'amuser bien sûr.